Et salut à tous, c'est Tanaka, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 21 de mon Let's Play sur Uncharted 4. Donc là, toujours en mode exploration de la maison pour tenter de récupérer les affaires de maman. Et puis voilà, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Mais ça c'est quoi? Une affiche de film? Eh, mais c'est Madame Bear Grylls! Woman vs Wild! Rangeons ça. Et donc on est reparti pour la deuxième exploration. On dirait une serre le truc. Allez, faites que ce soit le truc de maman. Ah non. They've got your favorite book here. Oh! L'histoire générale. Ah, c'est ça. Histoire générale des plus. Histoire générale complètement inventée, même le nom de l'auteur est bidon. Quoi? Comment ça? C'est du faux. C'est relou ça. Bon, jolie argenterie. Je pourrais en piquer comme Jean Valjean, mais j'ai pas envie de finir au bagne. L'orphelinat, c'est déjà assez dur. Hey, ce cadran solaire ressemble fortement au décodeur de John Dee. Oh, encore une lettre. Evelyn, je suis tombé sur le dernier numéro d'Adventure Life et j'ai été aussi surpris qu'enchanté de voir que tu es figuré une fois encore en couverture. Je suis content de voir que tu as l'air heureuse et que tu fais toujours ce qui te plaît. Même si nos chemins se sont séparés, tes exploits me remplissent toujours d'une certaine fierté. Oh, un amant est conduit. Je te joins la photo de remise des diplômes d'Edmund, premier de sa classe. Apparemment, on a quand même réussi quelque chose. Il me tuerait s'il apprenait que je te l'ai dit. Mais je veux que tu saches qu'Edmund était dépité quand tu as pris la décision de partir en Inde sans lui l'été dernier. Il est devenu un jeune homme doué et sûr de lui. Certains traits de sa personnalité me font penser à toi. En particulier la lueur qui traverse ses yeux juste au moment où il trouve une idée brillante. Et qui plus est, il t'adore et t'admire plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai eu ma dose de conflit toutes ces années et je ne t'ai jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, je te demande d'emmener Edmund avec toi dans ton prochain voyage. Je sais que ce sera difficile pour toi et que tu n'avanceras pas aussi vite que d'habitude, mais je te promets une chose, tu en tireras une joie que personne d'autre ne pourra t'apporter. J'ai hâte de savoir quelle sera ta prochaine grande découverte. Continue de nous rendre fiers de toi. Chaleureusement, Ken. Ah, mais donc, d'accord. Non, c'est pas une poupée Barbie. Et donc, oh, c'est beau. Ok, très bien. On repose. C'est mignon. Même si je crois que en fait cette femme a sacrifié sa vie de famille pour une vie d'aventure. Ce qui arrive un peu à Nathan en fait en ce moment. Donc on a visité tout ça. Ah non, je voulais monter en haut mais c'était pas possible. Que j'ai visité par là-bas. Cette baraque est... Mais non, mais oui, je venais de là. Je pense qu'on va monter. Jolie roue. Oh, t'es là. Super. Allez, barre-toi. Ok, donc il y a cette porte là-bas. Trouve un moyen d'entrer. Allez, faites qu'il n'y ait pas d'arme là-dedans. Et non, c'est fermé. Peut-être dans cette pièce-là. Non, fermé. Tout est fermé. Tout est fermé et ça ne me dit pas où je dois aller. Hey, the air vent. Up there. Oh yeah. That could get us below it. Not us. You. What? I can't fit in there. Can you handle it? You kidding me? Can't handle it. All right. Let's see what you got there. Attends, il y a un truc triangle que j'ai. Ah mais non, c'est le voxophone. Bon, faut que je trouve un moyen de grimper. Non, pas par là. Et qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Ah, la bibliothèque. Allez, viens m'aider là. Il y a trop de temps là. Ok. Oh, oups. Un Polaroid. C'est un Polaroid. Let me see. I think it still works.
Allez, viens, on fait un selfie. Ça n'existait pas vraiment à l'époque, mais vas-y. Enfin, ça s'appelait pas vraiment comme ça. Don't lose it. Ouais. Attends que ça... Ok, faut attendre un petit peu que ça prenne la couleur. Ouais. C'est bientôt fini. Je crois qu'on est bon là. Ouais, c'est bon. C'est bon, elle a pris la bonne couleur. Allez, il s'agit de monter maintenant. Voilà. Ok. Empêche, la décoration de la pièce, ça me fait franchement penser à l'épreuve dans Fort Boyard où il ne faut pas toucher le sol. Oh non ! Voilà, j'aurais perdu. Bon. Essai numéro 2. Ouais. Mais... Ah, ok, il fallait monter. Ok. Oh merde ! Oh, il s'est pas cassé. Non ! Nate, c'est dangereux ce que tu fais là. Attends, mais c'est quoi ce truc ? Ah, c'est un détecteur d'incendie. Ah, je vais tomber sur un rat à tous les coups. Non. Et attends. Y'a quoi ici? Y'a rien. Il n'y a rien du tout par ici. Donc c'est la deuxième ici. Attends, comment? Attends, je peux pas tourner la caméra. Non, je peux pas tourner la caméra. Pas comme ça. Allez. Allez. Deuxième coup. Et le troisième, c'est la bonne main. Voilà. Oh là, oh là, oh là. Doucement. Doucement. Oh, du matos médical. On dirait que quelqu'un se soignait ici. Codéine. Ouais. Il y a quelqu'un qui se shootait au Dafalgan ici. Donc ouais, il y a beaucoup de matos médical ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mère qui... Ah, d'accord. Donc je suppose qu'elle a quitté ce gars-là. Elle a quitté le Ken pour sortir avec le professeur japonais, là, le Namba. Je pense que c'est ça. Et qu'elle a eu un enfant avec ce gars-là. Donc elle a eu Edmund plus un autre. Donc ces deux-là sont demi-frères. Evelyn, j'espérais ne jamais avoir à écrire cette lettre. J'espérais qu'après notre dernière conversation, mes intentions étaient claires pour toi. J'espérais que le fait d'ignorer tes tentatives de me contacter aurait fini par te faire comprendre le message. En découvrant que tu avais envoyé un chèque à ma fille, j'ai compris que mon message était trop subtil pour quelqu'un comme toi. Je n'ai pas besoin de ton argent, et pour être plus précis, je ne veux pas de ton argent. Je peux être très bien m'occuper de ma famille sans ton aide. C'est une véritable insulte que de pouvoir laisser croire qu'un tel geste puisse raviver notre relation. Le petit fil qui nous relie encore s'est brisé le jour où tu n'as même pas pris la peine de venir assister aux funérailles de papa. Jusqu'à son dernier souffle, il t'a aimé. Pas moi. Je prie pour que tu trouves la paix, à passer ta vie à chercher je ne sais quoi. Mais ne me recontacte plus, ni moi, ni ma famille. Edmund. Wouah ! That's sad. Donc ouais, elle a complètement lâché... Le père elle a tenté de rabibocher avec Edmund, mais ça n'a pas marché du tout. So, anything? Didn't see any journals. Well, we still got the other locked door. So. Ouais, j'espère que c'est la même clé pour tout. J'espère que c'est la même clé pour tout. Allez, je commence à en avoir marre de visiter cet appartement grand comme une piscine olympique. Ouais, heureusement c'est la bonne clé. Allez, j'espère que c'est là-dedans.
Wouah, c'est poussiéreux. Non, il n'y a rien ici. Ah, attends, j'ai vu un triangle. Allez, s'il vous plaît, faites que ce soit là-dedans. Wow. Ah! Il y a du mieux. Cassandra M. Sam. We got something? This is it. On a trouvé, enfin. Ok. Which is a paradise. Evelyn a acheté auprès d'un collectionneur la première édition de l'histoire générale des Pyrénées, en même temps qu'une liasse de documents du XVIIIe siècle. Parmi ceux, j'ai trouvé une lettre très curieuse d'un certain Joseph Burns, qui non seulement reconnaît être un membre de l'équipage de l'année, mais qui en plus donne des indices sur l'immense trésor d'Avril. À quoi d'autre les richesses du paradis peuvent-elles faire référence? Si on voyait sa lettre en prison, il est évident qu'il n'avait pas de trésor avec lui. Alors où est-il? Je dois suivre sa trace depuis le début. L'attaque d'Henri Avril contre le Gunsway. Légende de l'image Joseph Burns, légende de la carte dernière apparition. Note sur la lettre, que représentent ces marques? Non, c'est bon. Tournez les pages. Wow, Henry Avery, Gunsway Heist. C'est là que leur intérêt a commencé à grandir ici. I've never seen this one. Yeah, me either. But that, you know, that's definitely Mom's handwriting. Oh. Put up your hands. Oh. Slowly. Hey, hey, hey. There's no need for that. What is he holding? Hey, 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 you keep your gun on me. Give me my journal. All right. I'm sorry, Nathan. Mais c'est qui elle? C'est Evelyn? So what now? Now, we wait. Pour la police? For the police. Yeah, you don't want to have to deal with that headache. Stop. I mean, the hassle of ruining two kids' lives, that's... I really don't want to shoot you. Come on, lady, it was no harm, no foul, all right? We all must face the consequences for our actions. And at least let him go. I brought him down here so he could see our mom's stuff. That's it, he had nothing to do with this. What? I'm telling you that this is all on me. No. Your mother's stuff. Yeah, that journal. It was our mom's. You're Cassandra Morgan's boys. What? Hi. My God. I could have shot you. Yeah. You're still mice, so, do you mind? Mais meuf, tu t'étais... Oh, mais ça me tue à chaque fois, ça. You knew her mom? She worked for me. As I'm sure you've noticed, I'm a collector of sorts. That's sort of an understatement. So... Mom was like your translator? Your mother was the most brilliant historian I have ever met. Vous êtes fier, hein? Il y a de quoi, franchement. We could have accomplished so much together. But then her illness... I'm sorry. No, it's all right. Happened a long time ago. Ouais, mais la douleur est encore vivace. This would have been her crowning achievement. Sic parvus magna. Greatness from the small beginnings. Sir Francis Drake's motto. Ouais. Yeah, Latin and historical figures. Those were our dinner conversations.
We were a weird family. Did she ever tell you her theories regarding Sir Francis Drake and his heirs? Sir Francis Drake didn't have any heirs. Yeah. That's what history tells us. But mais en fait, pas du tout. I believed otherwise. Learning that old pirate's secrets is just one more adventure I have to let go. I guess there's a lot I have to let go. Ouais, tu devras renoncer à la cigarette, madame. Ramblings of an old woman. It is as much yours as it is mine. Who knows? Perhaps one day you'll be able to finish what she started. Référence à Uncharted 1, 2 et 3. Oh non, pas les flics. Yeah, so we're off the hook, right? I'll handle the police. Hein, parce qu'ils ont déclenché l'alarme. I trust you can see yourself out. Thank you. Sorry about the mess. Ah, c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à arriver, vu la vitesse à laquelle elle se déplace. Oh là, oh non. Oh non, non, non. Oh, c'est pas vrai. Holy shit. Hey. Hey. Elle est morte. Sam? Elle est morte. Oh, you all right? Wait, we have to do something. Yeah, we need to get the hell out of here. Can't just leave her. Ah, no. There's nothing we can do for her. Alright, we have to run. If the cops find us here, then this. Ah, enemy. Nathan! J'avoue le gros cas de conscience là. Bon, comment on va se barrer? Window, come on. Personne ne regarde par la fenêtre. Ferme la fenêtre derrière toi. Ferme la fenêtre derrière toi. Ah, tu peux pas. Allez, Stephen Curry. Go, go, go. Oh, c'est chaud. C'est pas le moment. Allez. Sam, I got you. Just jump. Mais grimpe. Nate, come on. Plus vite là. Les flics vont te choper si tu te dépêches pas. Allez. Allez, Scar, mon frère, aide-moi. The chimney. Come on. Coming. OK. You. Oh, le flic là-bas. The front gate looks clear. Front gate. Got it. They're on the ground somewhere. They are. So, okay. Oh non. You there, don't move. Oh, c'est pas vrai. Allez, on se tire. This way. We can lose him. Oh là. Ah, on est encerclé. Oh, c'est pas vrai. Ok, par contre, on passe. Ok. Il nous court pas après. Le mec, il reste là. Ouais, vous voulez tirer dessus. Oh, par là. Non, il court pas après. Oh là. Come on. Run. Stop, God damn it. Oh purée, mais on fait le tour de la propriété là. Guest house. Non, lâche-moi. Oh. Oh purée. Oh, le kef, il va pas m'attraper. Oh, tag life, les mecs. Allez, aide-moi, mon frère. Scar.
Allez, on se tire, on se tire, on se tire, on se tire. On se casse. On the bike, now, come on. T'as toujours journal, j'espère. Alright, hold on tight. Oh, c'est chaud. Bon, par contre, va falloir faire profil bas. I'd say we're clear. But we catch our breath for a second. Some night, huh? Some night. That old lady. Hey. Hey, you listen to me. That wasn't our fault back there. I mean, that lady, she was sick. Ouais. J'avais bien que c'est la club. But there was nothing we could do about it. So what are we gonna do now? I can't go back to the orphanage. We can't go back to your job. Then we don't. Sure. No, I'm serious. We get as far away from this place as we possibly can. Yeah? And how long till the cops find us? Well, I think they'll be looking for Nathan and Samuel Morgan. Yeah, that's us. Non. What if it wasn't? Pourquoi pas s'appeler Drake? Nathan, back at that mansion, you knew just as much about that stuff as that poor old lady. Here. I always felt that we were destined for something great. But until tonight, I didn't know what that meant. But this... Mom's unfinished work? This is our chance to restart our lives. With brand new identities. What are you talking about? I know some guys. Pretty good at forging papers, too. Now, as for our new name... Drake. Mom believed that Sir Francis Drake had heirs. Who's to say he didn't? You're serious, aren't you? Nathan, we were meant for this. And I promise, you and me together, we're gonna go far. Uncharted origin. So what do you say? Nathan Drake? Oh, c'est trop stylé! C'est trop stylé. Allez, Samuel Drake. Everything changed after that. We became explorers, adventurers, mostly thieves. Ow. Okay, just hold still. You know, for a while, it felt like, you know, if we weren't taking turns going to jail, it was because we were in jail together. And you know, after I lost him, after I thought I lost him, you didn't want to bring him back up again. Right. Something like that. That's it. Now you know everything. With you, I doubt that that's everything. But it's a lot. Love to know what you're thinking. I'm thinking that you're lucky that I found you when I did. Ouais. I'm glad you didn't lose a limb or anything. It would have been a royal pain getting you out of here. How did you, find me anyway? Oh, you know, easy. You just follow the sound of gunfire. No, I mean, how did you get here? Oh, of course. Il est plein de ressources. Hey, darling. How's he doing? Oh, you know, he's banged up, but he's alive, par for the course. Now we just need to rescue the other Drake. What do you mean? I'll let Nate tell you.
Hey, pal. Glad you could join us. Yeah, I wouldn't miss it. So what happened to Sam? Rafe's got him. Shit. You know where they are? Yeah. They're headed to the northern side of the island. See if you can find a place to set down over there. Once we get Sam, we're gonna need to get out of here pretty quick. Copy that. Hey, what about the treasure? Forget it. We don't need it. But Alcazar... No, there is no Alcazar. It's all bullshit. Wait, you mean... the dip, the escape? Tout ça, ça n'existait pas. Sam made it all up. What an asshole, right? Mais bon, jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je pense que il avait quand même une bonne raison de faire tout ça. Enfin, j'espère. You know us. Treja. Thanks. Sure. No, I mean, thanks for saving me. Again. I almost didn't this time. Ouais. On sent qu'elle est quand même encore un peu furax. Come on. I got us a ride. Ah, mais il n'empêche que ça fait super plaisir de la retrouver. Tu vois, ils sont mariés, il faut faire face à ce genre de choses pour les meilleurs et pour le pire. Donc le chapitre porte très bien son nom. Hmm. Quelqu'un qui a glissé par là. Hey, bien joué, Elena. Yeah, it was the quickest way to get down to you. Now we just gotta figure out another way back up. Okay. Yeah, here. Allez, chérie. Vas-y. Ah ouais, ça c'est les jambes de ma chérie, ça. Ça c'est le popotin de ma chérie. Yes. I like it, girl. Merci beaucoup. Tu vois, je te laisserai filer pour rien au monde, Elena. So, have you been here long? On the island? A few hours now. Did you see the colony? I did, from the air. Pretty incredible, right? I didn't get the full tour. I was a little preoccupied with finding you. Right. Ouais. Ok, donc la jolie petite rivière. En mode... Sarah Harding! Combien tu crois qu'il y a de Sarah sur cette île? Attends, elle est passée par où, Elena, là? Chérie! Où es-tu? Attends, peut-être qu'il y a un trésor caché là-bas. Ok. Ok. Passons par ici. Chérie? Chérie, où es-tu? Où es-tu, my darling? Le soleil de minuit, où es-tu? Ah, te voilà. Tiens, encore une copine. Did Sully fill you in on the deal with this place? Yep. Henry Avery, 400 million, 12 founders, hundreds of colonists. Something like that. Yeah, that just about covers it. Had some time to kill on the flight over. En même temps, ouais. Allez, on y va. Je pense qu'il va falloir... Wow. Une prison? Is that an Un ascenseur? Oh. Sure looks like it. I swear Avery recruited the best engineers of his time. He must have used it to move supplies up river. Yeah, that's a fair bet. C'est ça. Ça coule de source. Et oui, ça coule de source. Mais ça ne me dit pas où je dois comment je dois faire. Est-ce qu'il y a un truc qui a grappiné quelque part? Non. Je crois que ce n'est pas par là. Il va falloir descendre. Non. Non. Nate, look, there's an opening up there. Comment ça va voir? Hein? Où ça?
Ah, là-bas. D'accord. Je te suivrai où tu iras, ma chérie. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Pardon. Yes. Ok. There's your car. Just need to get up there. Well, what do you think? Which way? Well, let's take a look. Ah, oui, c'est l'heure de prendre un petit bain. Attends, y a pas un truc là derrière cette cascade? Pas de trésor derrière cette cascade. Refreshing. Ouais. J'ai besoin de prendre une petite douche. Bon, je vois des marques ici. Mais comment je peux les atteindre? Il y a une espèce de truc à grimper par là. Ah, une échelle là-bas. There we go. I can boost you up there. Great. Yeah, work it, girl. Yeah. Oula. Dépêche-toi, chérie. Dépêche-toi, chérie. Oh. Oula. Hey, do you think there's another way up? Pas vraiment. Hey, I see a path up here. Elle est où? There's a way through over there. See if you can find something I can use. Yep. Ouais, parce que je pense que je vais avoir besoin d'un... Hey, I found something. Hold on. Quoi? T'es où? Look out. Hello? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, je reste pas en dessous. Ok, super. Et donc là, ok. Ok, mais il va falloir que je... Voilà. Il va falloir que je tracte le truc jusqu'au rivage. Allez, tire la corde. Oui. Attends, comment? Voilà, je recule. Ici, je monte là-dessus. Allez, tractopelle là. Ah non. Il faut plutôt que je le mette ici. Allez. Allez, 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 allez. Oh, come on! Allez! Tu peux le faire, Yugi. Tu peux le faire, Yugi! Non, ça ne fonctionne pas. Quoi? Maybe use the crate to get to that fallen tree over there. Crate, tree. Got it. Attends, l'arbre qui est tombé. Bah, c'est bon. Je suis bien placé là. Voilà. Voilà. Whoa. Hey, nice jump. Not bad, right? Way to go, Nate. Ouais. Piss a girl like that off. Idiot. Ouais, c'est bien que tu le remarques, mon petit. Oh, 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 non, 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 non. I'm okay. Sort of. Everything's under control. See if you can get back up here. Yeah. Yeah, roger that. En plus, j'ai vu un trésor de l'autre côté. Voilà. Allez, encore de la pierre, de l'escalade. On n'est pas rendu. Over here, Nate. Can you find a way out of there? Looks like a dead end. Well, maybe the elevator still works. I doubt it. 300 years old. Been exposed to the weather, and who knows if it ever works. Oh, look. Oh, j'adore ce truc. Purée. Going up. Voilà.
Faut que je descende d'un cran. Oh là. Next floor, menswear. The fact that this works, it's kind of incredible. Jinxed it. Je monte par là-bas. Yes. Just, meet you at the top, I guess. Rien ici. Là, la poutre ici. Ouh! Mais je peux pas utiliser. Ah, non. Effectivement, non. Ok. Ah, il y a un truc où il faut s'accrocher. Hop. Ok, ok, ok. Attends, je vais retourner de l'autre côté parce qu'il y avait le trésor de Kellogg's. Voilà. Quoi? Bon, je Ok. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que là je suis à plus de 30 minutes d'enregistrement et l'upload va faire très mal. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, parlez-en autour de vous. Et don't forget, subscribe, motherfucker. Au revoir les gens.